Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classique, venu inspecter aujourd'hui à la demande d'un client un Ford F100 de 1954 qui se tient actuellement derrière moi. Alors un véhicule bien sympa qui n'a appartenu toute sa vie qu'à une seule famille et qui est aujourd'hui proposé au KIT, que Memorial a repris au fils du propriétaire d'origine. Puisqu'il ne s'en servait pas. Un véhicule qui n'a pas tourné pendant, selon Memory Lane, qui pourrait ne pas avoir été utilisé pendant une bonne dizaine d'années. Ce qui explique donc de petits problèmes. Il va falloir adresser certaines choses. Pour commencer, je pense qu'il a une batterie qui est vraiment faible, c'est du 6 volts. Donc je suis allé en faire un tour de conduite et j'ai calé 4 fois. Il a fallu... Heureusement, j'avais amené un booster et qui m'a bien sauvé, qui m'a bien dépanné, puisque j'ai pu repartir les 4 fois et revenir chez Memory Lane. Mais voilà. Ce que je voulais faire avant tout dans cette vidéo, avant de présenter ce véhicule, c'est faire une petite mise en garde, on va dire, aux propriétaires futurs, éventuels, de ce véhicule. C'est un véhicule qui s'adresse, à mon avis, à quelqu'un qui connaît le véhicule ancien, qui a quelques notions de mécanique. Et qui ne s'attend pas à un véhicule où il va falloir simplement le dimanche tourner la clé, emmener la famille, boum, prendre la route et puis voyager en tout confort. C'est un pick-up donc de 54 de base, donc il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas de freinage assisté, c'est du frein à tambour, une boîte manuelle avec overdrive, c'est du 6 volts comme je le disais. Ces véhicules-là sont souvent capricieux, sont difficiles à démarrer. Pas tout le temps, mais enfin bon, quand ils n'ont pas tourné pendant plus de 10 ans, c'est évident. Pas un mauvais véhicule, en aucun cas. J'ai fait mon petit tour sympa, il est agréable à conduire. Il est équipé d'un moteur V8. Les vitesses passent bien, l'embrayage fonctionne très très bien, vraiment agréable. Et il freine et il se conduit comme il se doit. Mais encore une fois, c'est du rustique. Donc si vous n'avez jamais conduit de véhicule de ce genre avant, je voulais simplement vous mettre en garde. C'est pas, j'ai inspecté une Mercury de 1950 pas plus tard que la semaine dernière, où on a une berline de luxe, on va dire, où là oui, effectivement, contact, démarrage, boum, on enclenche la première, on est parti, il n'y a aucun problème, quoi. Là, c'est du rustique. Voilà, je ne veux pas décourager quiconque, c'est simplement une mise en garde. Je ne sais jamais exactement à qui je m'adresse quand je vais faire une inspection. Est-ce que la personne qui m'a demandé cette inspection est une personne qui connaît le F100, qui connaît le véhicule ancien, qui n'a pas peur de mettre les mains dedans, etc. En quel cas, impeccable. Si c'est quelqu'un qui veut démarrer dans le véhicule ancien avec peu de connaissances mécaniques, je déconseillerais, on va dire. Voilà, c'est tout. Sur ce, allons-y, je vais vous le montrer. Il est très beau, il est super sympa. Bon, bien voilà, j'en ai fait mon inspection, j'en ai pris mes photos. J'en ai pris une bonne quantité aussi. Lui aussi, il est très très photogénique. J'ai bien aimé. Et il a une bonne bouille, il a une bonne gueule. On se régale de n'importe quel angle. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en dis? Eh bien, je vais déjà répéter ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire que je pense que c'est un véhicule qui n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, n'importe qui. Il s'adresse à quelqu'un qui aura quelques notions de mécanique ou qui connaîtra quelqu'un qui les a, ces notions, mais surtout quelqu'un qui ne va pas s'attendre à un véhicule ancien dans lequel on s'assiérait le dimanche avec la clé de contact, boum, démarrage, et on s'en va avec la famille. Non, c'est pas vraiment ça, c'est du rustique. C'est un truck, c'est un pick-up de 54. Déjà, donc on n'a pas de direction assistée, on n'a pas de freinage assisté, même si je l'ai conduit, moi, sans aucune difficulté. Le seul problème que j'ai eu, c'est le fait qu'il cale pratiquement tous les feux ou tous les stops. Mais bon, ça c'est quelque chose qui devra être adressé de toute façon, quoi. Je pense qu'un charger, recharger la batterie dans un premier temps, mais je pense que la remplacer serait certainement une meilleure chose, surtout que c'est pas une batterie énorme qui devrait coûter très très cher, donc ce serait vraiment à faire. Et puis en espérant que ça améliore certaines choses comme les essuie-glaces, qui les balais d'essuie-glaces qui se baladent, mais qui ne veulent pas monter jusqu'en haut du pare-brise. On voit clairement que c'est un système électrique faible.
D'ailleurs, j'avais les essuie-glaces en marche en savoir, et quand j'ai branché le booster qui lui est en 12 volts pour démarrer, chaque fois j'ai calé, bon, les essuie-glaces vous fonctionnaient impeccablement. Hein. Donc voilà, comme quoi il leur faut juste un petit coup de boost au cul, et puis ils fonctionnent. Mais idem avec le klaxon. Idéalement, ce serait si quelqu'un avait les notions. Ce serait de le passer en 12 volts, alors là ça serait fantastique, hein. On n'aurait plus de problème de démarrage. Quand je dis problème de démarrage, hein, c'est comme tous les 6 volts, hein, quelqu'un qui a démarré une 6 volts, hein, le fameux son où on a l'impression au départ la batterie est morte, et puis petit à petit on sent le et puis au bout d'un moment elle veut bien démarrer, quand ça démarre, mais voilà, c'est jamais, à mon avis c'est pas idéal. Encore une fois, un passage en 12 volts, on aura un meilleur éclairage, un meilleur fonctionnement de tout ce qui est électrique, hein, essuie-glace, klaxon, ventilation, etc. C'est une suggestion à faire, pas indispensable, mais à faire. Alors, cette la carrosserie, on a une jolie peinture, très belle couleur. J'ai vu que elle ne correspond pas exactement à la couleur de l'intérieur, parce que l'intérieur, lui, n'a pas été repeint, la peinture est probablement d'origine, et c'est un bleu. Je sais pas comment on appelle ça, un bleu gris, un petit peu difficile à dire. C'est pas le même bleu en tout cas, quoi. Hein. Mais on voit ici que il y a beaucoup de patine, et puis la peinture qui est partie ici aussi. Le tableau de bord n'a pas été repeint à mon avis, il n'a jamais été restauré. Il est dans son jus, dans son état d'origine, je pense. Hein. Bon, d'ailleurs j'ai un petit doute maintenant parce que je vois que les vis ont été peintes. Alors est-ce que en 54 ces vis étaient peintes ou pas? Je ne sais pas. Généralement non, puisque ça c'est rapporté sur le châssis une fois qu'il a été peint. Bref, supposition. Hein. On ne sait pas finalement si cet intérieur est d'origine ou pas. En tout cas, on voit que les joints ont été remplacés. Les joints de détanchéité sont en très bon état. Un peu décollé ici. Mais voilà, on le voit et on le sent quand on ferme la porte, parce que cet espace justement est dû à l'épaisseur du joint. Alors cette Pour continuer avec cette peinture, donc elle est jolie, la carrosserie est en très bon état. J'ai noté cependant deux défauts. Ils sont situés côté passager, au niveau de la porte. Non, l'aile avant d'ailleurs, l'avant droite, où on voit un éclat assez important de peinture. Ici même, hein, on voit mes doigts. Paf, c'est parti, il a pris un petit coup, il a plié un petit peu ici. Donc la peinture a éclaté, mais sans sauter, on va dire. Et j'ai noté au niveau de la cabine arrière, ce qui est une zone assez typique au niveau développement de roues, hein, sur ces pick-up, où on voit effectivement des boursouflures qui partent de là-haut et qui s'étendent tout le long de l'arrondi jusqu'à là-bas, où là-bas on voit par contre on voit plus que des boursouflures, on devine une rouille de voilà, enfin, c'est passé à travers, quoi, hein, c'est évident. Voilà, c'est dommage, c'est le seul endroit. Et ce qui est dommage, d'autant plus dommage, c'est que le dessous du véhicule, lui, est en très bon état, très sain. Je me suis couché dessous, je n'ai pris pas mal de photos. Et c'est assez joli, hein. Le dessous, lui, est propre, est en très bon état. Hein. Donc voilà, si un problème de rouille est noté, il se situe donc au niveau de la cabine arrière de la cabine côté passager. Le fond de benne en bois est en bon état, même si le bois, les planches de bois commencent à dater et même à se gondoler. On voit à l'avant, et on voit que celle-ci même elle a cédé, parce qu'on voit une partie du bois, ce côté-là, je peux passer mon doigt entre les deux parties de bois. Le bois et la planche a éclaté ici. Voilà, mais sinon, bon, c'est solide et c'est tout à fait suffisant pour transporter ce qu'on voudra. Mais bon, voilà, faut le savoir. Éventuellement, à un moment donné, il faudra remplacer ces planches de bois. Les glaces sont en très bon état, vraiment en très bon état. C'est appréciable aussi. La lunette arrière, les vitres latérales, les déflecteurs triangulaires, le pare-brise, toutes les glaces sont en très bon état. Avec malgré tout peut-être une rayure ici qui aurait été laissée par un essuie-glace en mauvais état. Alors est-ce que ça partirait ou pas? Je ne sais pas. Donc quand même, je m'étonne quand même qu'un petit essuie-glace aussi fin, aussi léger, puisse faire
une rayure sur un pare-brise, en bref. Voilà, c'est joli cette peinture. J'ai noté aussi là, à la jonction entre le toit et la paroi arrière, tout le long ici. Voilà, la peinture a sauté aussi. Voilà, voilà. Et des petits éclats aussi, ici et là. Hein. De toute façon, j'ai pris tout ça en photo. Le reste, donc ce qui est feu, pare-choc, chrome, etc., est en très bon état. Pas de chrome à l'arrière, parce que le pare-choc est peint. Mais voilà, présence des feux en bon état. Et il a un très bel avant. J'aime beaucoup son avant, son nez, sa grille. Une belle combinaison de couleurs. Et puis, bon, bah, avec les insignes, hein, ça jette, bien sûr, hein, le Ford Overdrive avec l'insigne V8 en dessous. Ça, c'est la classe. Et c'est surtout rare, parce que, bon, malgré tout, des V8, des pick-up comme ça en V8 plus Overdrive restent relativement rares. De beaux optiques qui ont dû être remplacés, hein, ils sont trop beaux. Idem pour le pare-choc, hein, qui est avec un joli chrome. Ces jantes d'époque, hein, sont très très jolies aussi, hein, en aluminium. Slotted, ils appellent ça des jantes slotted style. Slotted aluminium mag, voilà. Donc tout à fait dans le genre hot roll, on va dire, des années 70, quoi, hein. Joli pneumatique aussi, probablement aussi qui accuse le nombre des années, parce que si le véhicule n'a pas roulé pendant 10 ans, ben on sait déjà que ces pneus ont plus de 10 ans, mais ils sont jolis, ils sont absolument pas desséchés, secs, craquelés, etc. quoi, hein. Ils tiennent bien leur pression, et surtout il y a beaucoup de gomme, donc des pneus qui peuvent encore rouler, pas mal, sur ce véhicule. Je vais parler de l'intérieur maintenant. Je vais faire de ce côté. Hein, au passage aussi, on entendra que les vitres montent et descendent sans difficulté. C'est vraiment agréable. J'ai parlé de... Voilà, bel intérieur, un joli ciel de toit. Alors l'intérieur, lui, a été refait plus récemment, c'est évident. Hein. On a une très très belle banquette. Elle est jolie comme tout. Assortie aussi au ciel de toit, qui a été aussi installé récemment, ainsi que les panneaux de porte. Donc, tout cela est très joli. Et pour finir, la moquette, une très belle moquette. Alors elle est bien bien noire, elle est bien propre, très agréable. On voit que c'est une moquette qui est elle-même doublée de mousse, et en plus ils ont ajouté un isolant hein, phonique, qui est collé au plancher. Et donc tout ceci fait que on a quand même malgré tout au roulage un pick-up qui est doux et silencieux. Ce qu'on voit ici, c'est l'emplacement de la batterie. La fameuse batterie qui m'a lâché plusieurs fois ce matin. Heureusement, j'avais mon booster. Ça m'a bien dépanné. Le boîtier de chauffage aussi, alors qu'il semble fonctionner, je dirais qu'il semble, parce que c'est pareil, avec une alimentation électrique aussi faible, la ventilation est faiblarde, donc difficile de dire si on reçoit... de l'air chaud ou pas, honnêtement. En tout cas, il était chaud, ce qui veut dire qu'il est, il est en service, il est branché, il est connecté, hein, depuis le compartiment moteur. Hein. Les durites d'eau chaude arrivent, donc, et le système donc, est en place. Et surtout, il ne semble pas fuir, hein, puisque c'est souvent le cas aussi, des fuites qui proviennent du boîtier de chauffage et qui viennent ici ensuite rouiller les planchers. On voit qu'il est équipé d'un système, d'un jeu de jauge aftermarket, les jauges classiques, hein, température d'eau, le voltmètre et puis la pression d'huile. Voilà. Alors ça, c'est à mon avis le tour radio. Alors il ne fonctionne pas, j'ai essayé, il ne fonctionne pas. On sent ici le bouton de mise en marche et ensuite cette molette-là est la molette de recherche des stations. Et ceci peut-être le bouton de volume, je ne sais pas honnêtement. En tout cas, c'est original. Dommage, ça ne semble pas fonctionner. Sous toute réserve, parce qu'il est équipé d'une antenne à l'extérieur. Donc, ouais, faut voir. Joli en tout cas. On trouve quoi? Un volant d'origine. Ici, on a un allume-cigare, clé contact, le choke, donc le starter ici. Les boutons de commande de chauffage des givrages, ici. Ça, c'est le petit switch de mise en marche de la pompe à essence,
qu'on entend dès qu'on met en marche. Compteur d'origine. Et là-bas, on y trouve le bouton de commande des feux, des essuie-glaces et la tirette d'engagement-désengagement de l'overdrive. Et enfin, tout à la fin ici, le bouton poussoir ici de le démarreur. Hein. On a une poignée aussi, on la voit là-bas en bas, d'activation du frein à main. Et c'est tout. Levier de changement de vitesse, trois vitesses donc au volant, klaxon et clignotant. Voilà, cendrier. Et boîte à gants dans laquelle on trouve la plaque VIN du véhicule. J'en ai pris des photos aussi, c'est intéressant. On a toujours tout un tas d'informations qui sont intéressantes à trouver et à voir. Compartiment moteur maintenant. Alors voilà ce bon vieux V8 Y-Block de 272 cubic inch, moteur d'origine, avec son carburateur Ford. D'origine aussi. Un bel intérieur, c'est propre, c'est sec surtout. Et surtout quand on regarde beaucoup plus bas, au niveau du châssis, longeon, etc. C'est vraiment très très beau, hein. Très beau, très solide, très sec. De l'autre côté, on aperçoit la pompe à essence électrique qui elle, a été rajoutée et qui est donc le seul élément non d'origine, on va dire, de ce véhicule. Ici même, voilà. C'est joli, hein. C'est sain, on voit le capot aussi qui est sain, le nez aussi, où souvent on voit de la roue se développer. Très beau, très sain. Alors, fermer l'engin, il est lourd. Hein. Ah, verrouillé. Voilà, on a parlé de quoi? On a parlé de la peinture, la carrosserie, l'intérieur, le moteur, le dessous, la benne. Et voilà, et je vous ai mis en garde donc justement quant à le type de véhicule qu'on avait là. Hein. Mais sinon agréable, hein. Moi je me suis régalé. Hein. Si bon, moins quand le moteur calé et qu'à chaque fois il a fallu me dépêcher de rebrancher pour empêcher de bloquer la circulation, c'est pas idéal, un peu stressant, mais en dehors de ça, impeccable. Hein. Une fois qu'il est en route, une fois qu'on roule avec, les vitesses passent, sont super agréables, super douces, et il est agréable à conduire finalement. Voilà, je pense vraiment avoir fait le tour de la question. Je m'excuse un petit peu pour le bruit environnant, mais... Les véhicules bougent chez Memorylène. Celui-ci est vendu, il s'en va d'ailleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une réplique de modèle A. C'est une réplique qui était faite dans les années 70, avec un moteur de Pinto, 4 cylindres. Et une boîte, enfin voilà, avec une mécanique récente, on va dire, enfin récente, relativement récente, tout en ayant gardé le look d'époque. Et il serait intéressant de savoir si ce véhicule est importable en France parce qu'il présente de qualités certaines ou un intérêt certain. Voilà, en tout cas, moi j'en ai fini avec ce Ford F100 de 1954. J'espère que vous aurez apprécié cette inspection et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Au revoir.